Bonjour tout le monde, c'est Player Seb et je vais vous présenter donc Scarlet Nexus. Donc il y a deux personnages, c'est deux histoires totalement différentes. Allez, je vais vous présenter avec lui, tiens. Donc je vais passer le dictaciel, ça apprend les bases du jeu, je vais vous les apprendre moi-même, enfin je vais vous les montrer. Ça sera beaucoup plus simple. Alors c'est un jeu par Bandai Namco et c'est dans la veine un peu Nier Automata, Astral Chain. Oh, vous allez voir, il est très 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 sympa. Donc ça sort le 25 juin sur toutes les consoles, donc Xbox One, Xbox Series, PS4 et PlayStation 5. Alors regardez, R2, vous pouvez lancer donc la déco. Allez, donc hop. Voilà. Si j'appuie donc sur téléportation, donc là, j'ai le pouvoir de la téléportation pour battre les monstres. Allez, je peux lancer une voiture. Hop là. Un petit combo. Ensuite, si je rappuie sur R1 et je fais clairvoyance, hop, j'ai le pouvoir de la clairvoyance et c'est, allez, un autre pouvoir. Et des fois, il faut utiliser spécifiquement tel pouvoir sur tel monstre. Parce que sinon, ça ne marche pas. Donc, on va faire attention un peu à tout. Alors, on va prendre un autre pouvoir, regardez. Voilà, un autre pouvoir. Et une superbe attaque. Hop. Allez, dans ta face. Alors, si vous aimez ce type de jeu, franchement, il est magnifique. Donc là, on est sur PlayStation 5. Allez, on continue. Ouais, c'est un autre pouvoir, j'ai pas encore essayé. Hop. Et à même des fois, on peut utiliser donc carrément la déco. Regardez, voilà. Allez, L2, regardez. Attendez. Hop. Voilà. Et après, ça. Hop, voilà. Donc on utilise la décoration encore plus précis que depuis tout à l'heure avec un enchaînement de deux boutons. Alors des ennemis là, ouais. Allez, on va essayer avec elle est à côté. Des fois il y a même des grues de chantier, enfin des camions de chantier, vous les faites rouler sur les ennemis. Allez. Attends, hop, le distributeur là. Hop, regardez, hop, les deux sticks, tac. Voilà. Ah, méga attaque. Thank you.
Alors, c'est là-bas. On dirait bosser un peu Bayonetta, Nier Automata. Allez, allons sur le chantier. Et hop, un coup de deux sticks, c'est bon. Avec la manette, la DualSense, là, franchement. On a des bonnes vibrations et tout, là. Le jeu avait été présenté alors, pour la première fois en mai 2020 à une conférence Xbox. Et je me suis dit, il y a du potentiel le jeu. Et effectivement, il est très jouissif. Ah, plus costaud, bien. Évidemment, vous avez des potions sur les côtés, hein, comme tout jeu. Un bouton esquive, hop là, esquivé. Ouais, joli. Et voilà. Il y a quoi lui? Évidemment, vous n'hésitez pas à fouiller un peu partout. Il y a des petits passages à droite à gauche. Par exemple, là-bas, il fallait aller. Il y avait une petite zone secrète. Alors, ici. Yes. L'ennemi va disparaître et il faut utiliser. Donc, allez, clairvoyance. Hop là, et voilà. Comme ça, on voit l'ennemi. Tant qu'on n'utilisait pas clairvoyance, on l'aurait pas eu. Bon, je vous disais, t'as donc un endroit, des petits endroits cachés, comme le pouvoir téléportation, ça vous permet de passer à travers certains murs et trouver des petits passages secrets. On va attendre, on va aller se parvenir. Il n'est pas chargé, mais c'est bon. Ah.
Et voilà. Encore clairvoyance, allons-y. Allez, on continue à grimper et vous allez voir. Ouais, il y a un boss. Regardez. On va le faire ensemble. Je vous passe la cinématique. On est là pour du gameplay. Et voilà, un beau boss à battre. Et pour trouver son point faible. Et vous allez voir, c'est très simple pour celui-ci. Allez, gros. Je pense que vous avez dû voir son point faible. Comment faire? Regardez. On va essayer de l'attirer vers moi. Allez, avance. Elle veut pas. Hein. C'est bon. Il avance. Et ensuite, L2. Allez, parti. Hop, on prend de la santé. Allez, gros. Bon, bah là, je l'ai mis en terre, ça dure bien. Vous entendez la musique en plus là. C'est kiffant, hein. Franchement, mettez des écouteurs là, comme c'est le cas pour moi là. C'est bon, regardez, hop là. Et deux, et hop là. Allez hop, L2. Et bing. On va prendre le pouvoir avec les flammes là. Eh, il est bientôt mort là quand même. Wow.
Ah, il m'a bien défoncé là. Oh. Ah, il m'a bien eu là. Allez, ça, on va faire la revanche. Allez mon gros. J'aurais pas dû. Allez, on en profite qu'à terre. Pour le la faiblir un maximum. Allez, reviens. Hello. Allez, grand primo, pas plus envie, non? Bon, bah, on va l'avoir comme ça, tant pis. Et je vais te remettre à terre. Allez, go! Allez, on est presque noir. Attends, ça va tout pays. J'aurais pas dû. Eh ben voilà, on l'a eu. Magnifique, les amis. On a réussi. Bon ben j'espère que cette petite vidéo sur Scarlet Nexus vous aura plu. N'hésitez pas, la démo est également disponible. Donc, voilà, je le passe parce qu'on sait jamais me faire striker sur YouTube, ça peut aller très très vite. Voilà, donc je vous disais, donc la démo elle est disponible donc sur Xbox, PlayStation 4, 5, les deux Xbox. Le jeu sort le 25 juin, c'est un excellent jeu, il est très très prometteur pour l'instant. Donc j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner, à mettre des commentaires si vous voulez débattre avec moi. C'était Player Seb, merci à tous de votre fidélité les amis,